C'est devant la Cour criminelle spéciale qu'a débuté le procès d'Abaminko qui est poursuivi pour association de malfaiteurs, diffusion de nouvelles fausses ayant troublé l'ordre public, incitation à la révolte contre les autorités de l'État et trouble de la paix publique. Abaminko et deux autres compatriotes comparaissaient dans le cadre de cette affaire qui, en son temps, avait défrayé la chronique d'après l'Union. Abaminko avait menacé de faire sauter les bâtiments publics à Libreville si Ali Bongo Ondimba ne démissionnait pas du pouvoir. Dans le même temps, un commando se réclamant de lui s'était rendu dans certains organes de presse où il avait menacé les agents afin de diffuser un message révolutionnaire. Pour Abaminko, ces faits étaient un canular politique pour attirer les autorités françaises sur le fait qu'une nouvelle génération d'hommes politiques était arrivée au Gabon. Le procès qui a été suspendu hier a repris ce jour.